Vous êtes sûr? Ouais, je suis sûr. Et vous, vous êtes sûr? Bon, on peut démarrer. Je vous ai préparé une petite mixture avec le cheveu de l'autre à l'intérieur. Vous allez boire cette mixture et vous allez switcher. Vous allez changer de corps. Vous allez vous réveiller demain dans le corps de l'autre. C'est une expérience exceptionnelle. Et ça fait Zumba Caféo, Caféo Carnaval, et ça fait Zumba Caféo, Caféo Carnaval. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas la formule magique, ça. Mais non, ça c'est la musique qui cartonne en ce moment, j'écoute en boucle. Et je faisais ça parce que j'avais froid au bout des doigts. D'accord, mais là, dans la marmite, c'est la potion magique, ça. Mais non, ça c'est une chorba, ça. C'est un plat algérien chargé d'oligo-éléments. Donnez-moi vos assiettes. Bon, il est 8 heures du mat. Il n'y a pas d'heure pour manger la chorba. La chorba, ça se mange à pas d'heure. Entrée, plat, dessert, digestif, chorba. Tu sors de boîte de nuit, pas de kebab, chorba. Bon, je vais vous préparer un tiramisu. Framboise, fraise, beurre de Guérande, huile d'olive, zizi. Nuance, vue de l'intérieur, vivre cette chance pendant 24 heures. L'ultime nuance, vue de l'intérieur, vivre cette chance pendant 24 heures. J'enverrai un mail au taf en faisant les courses à Carrefour. J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four. Avec eux je serai joyeuse, avec mon mec femme fatale. 24 heures dans la peau d'une femme, je comprendrai la charge mentale. À 16h35 pile, j'arrêterai de travailler. Vu qu'après quand t'as une femme, eh ben t'es plus payé. Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton porc. Excuse-moi. Eh mais tu veux quoi là? Putain, casse les couilles. Excuse-moi. Je boirai du whisky pour me mettre à l'aise. Sans coca, sans glaçon, comme les mecs balèzes. J'irai draguer une fille, mais y'aura pas de malaise. J'enverrai pas de texto qui dit c'est quand qu'on baise. Je serai romantique avec les meufs sur Tinder. Pas de dick pic, des cœurs de toutes les couleurs. J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber. Si je croise un autre mec, plus besoin d'avoir peur. Mais je veux aussi kiffer, connaître enfin leur vrai pouvoir. Critiquer les gens avec mes copines du matin au soir. Et dès qu'elles sont parties, les critiquer elles aussi. Fanny est vraiment chiante, Solène elle a grossi. Je veux découvrir enfin le singulier bonheur de réussir à faire un créneau en une demi-heure. Comprendre enfin la passion sincère, sans censure, de regarder sur internet pendant des heures des chaussures. Tout de suite ces petites galères au féminin, l'épilation, le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main, les talons hauts, le vernis à ongles, les rappels mensuels du corps. D'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor. Je pourrais ne plus me raser, personne dira que c'est dégueu. J'aurais plus mal au ventre, à gna gna de mes deux. Je dirais bonjour patron sans qu'il me dévore des yeux. Dealer l'augmentation sans dîner amoureux. Devant ma PS4 pendant que ma meuf se plie en quatre. Je mettrai pas la table, c'est pas la fin du match. Je pisserai sur le trottoir comme le petit chien de la voisine. C'est l'avantage de la physiologie masculine. Désolé, ça a mal reswitché. Problème de mélange de cheveux. Vous avez kiffé quand même? Ouais, on a kiffé, mais j'aurais préféré réatterrir dans mon corps, parce que là... Et toi? Tu as kiffé, toi? Putain...